MDN Production. Pour cet épisode 16, donc voilà, je suis revenu à cette salle là donc comme vous avez vu, j'étais par là, donc j'ai fait quelques recherches et quelques essais pendant une petite ellipse. Donc je me suis rendu compte en faisant toutes les essais de comment dire, de levier, que je peux pas faire mieux. Ce porte là, je ne sais pas quand on l'ouvre, mais je parierais que ce serait l'autre chemin du départ. Donc, en traduisant le mot, d'en essayer 2 en haut et 3 en bas. Donc, ça peut les aider. Donc je vais refaire la combinaison que j'avais, que je me souvienne, c'est celle-là et celle-là en bas, je crois. Voilà, la porte est ouverte. Donc là, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai cassé les leviers, donc ça, je crois que ils disent qu'on peut détruire ça, la glowstone. Ah, un coffre, tiens. Voilà. Alors quelque chose que j'ai dû rater au bout. Voilà. Oh, une pomme d'or, encore des feuilles. Je ne sais pas toujours pas à quoi ça pourra me servir, donc je ne sais pas. Ah, j'ai encore oublié mon chronomètre, donc on va continuer, de toute façon. Donc à faire le start quand même, on va essayer de s'arrêter 2-3 minutes avant la fin de mon chronomètre. Donc voilà, donc ça c'est bon, le levier est poussé. Ah, c'est ça que j'avais raté, voilà, j'avais pas bien regardé tout à l'heure, ou peut-être que vous le verrez dans la vidéo, si je me suis planté. Donc là me revoilà à l'entrée, donc nous allons attaquer la pièce suivante. Qu'est-ce que ça nous réserve? La room 7, donc la room 8. Réflexion, action. Ah, attendez, avant, on va faire quelque chose de bien. On va les ranger dans mes coffres, ce que j'ai sur moi. Comme vous allez voir, j'ai fait certains fails, donc on va éviter de perdre si possible. Mais, attendez, je suis un peu perdu là. Les coffres, ils sont où les coffres? Maintenant là, putain, encore tout ça, ça commence à vraiment monter haut. Donc je pose mes pommes, ça c'est vraiment chiant de pas pouvoir les mettre en plusieurs, ça c'est mon bête de chez bête. Donc voilà, je prends ça, le reste dans l'autre coffre. Ah mince, je crois que j'ai mal mis ma pomme d'or. Voilà, hop, déjà tout le coffre tout plein. Donc on va les mettre le reste là-bas tranquillement, hop. Voilà, encore de la glowstone, je sais pas si ça me servira. On pose les feuilles, je sais pas si c'est une utilité. En tout cas, hop, je pose les diamants, je garde la torche et je garde le sable. Voilà, donc je remonte, j'essaye de retrouver la salle 8 qui doit être en haut si je me trompe pas. La 10, la 9 qui doit être là-bas et la 8 à côté. Donc voilà, nous continuons tranquillement. Room 8. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ah, du boat. On va prendre ça sur moi. Je sais pas si c'est utile de tout prendre, mais on va en prendre. Parce qu'il doit y avoir de la chute, on va essayer de faire du ride sur bateau. On va dire plutôt une boîte de conserve, parce que les bateaux sont pas très bateaux, on va dire. Voilà, donc voilà. Oula, il y a de la descente à faire, je sais pas pourquoi mais je le sens. Ah, attendez, j'ai aperçu un truc. Serait-ce une porte? Je ne sais pas. On va essayer de prendre le bateau. Ah, oups. Ah bah oui, j'ai bien fait d'aller voir ça. Celui-là, des pommes et des diamants. Ça c'est bon. Et hop, nous continuons. Prenons tout ça. Les bateaux n'ont pas été vraiment d'une grande utilité, mais à peine posés, ils se cassent la tronche. Donc on voit pas trop l'intérêt. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... ah. Je vais peut-être pouvoir en poser un. À part que j'avance pas, c'est un peu chiant. Moi, je vais me placer. Ah, et j'en ai pas une centaine, moi, des bateaux, là. Si je les plante tous... oups, je me tombe de bouton. Oui, comme vous dites, toujours le tout m'étape, mais je m'en sers pas. Donc voilà, nous reposons le bateau. Oh bah, il part comme un malade, ce bateau, là. C'est pas normal, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais normalement, un bateau comme ça, de notre... pas. Oula. Comment ils veulent que je remonte ça, mon bateau là? Bon bah je vais aller à... je vais y aller à... ah, genre de toute façon. Bon, encore un passage, parce que là les bateaux... j'arrête pas de les casser, donc je ne sais pas. Alors, hein, on y va directement à la nage. Hein. On est un aventurier, on n'a pas peur. Allez, hop, avant, oups. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Une glowstone? Le passage. Ah bah, avant de détruire. Oups, je vais détruire le coffre, moi. Bon, bah moi, je vais poser les bateaux là. Oups, soit les garder, hein. Bon. On verra bien de toute façon si on les dropera quelque part. Bon, j'ai déjà actionné le levier là. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais... ah bah c'est le coffre avec les bateaux. Donc je sais pas, est-ce qu'il fallait que je fasse le levier ou pas? Je l'ai fait, on verra bien. De toute façon maintenant je suis coincé dans ce petit bout de truc, donc... voilà. Ça c'est la porte d'où je suis arrivé, ça. Water rapide. Grab a boat from the chest and begin the descent. Ah oui, mais je veux bien faire la descente, mais... dès que je pose à peine le bateau, il se barre en queue de poisson. Donc je sais plus, je veux bien, mais... puis je pense pas que j'ai dû ouvrir le... pardon, la bonne salle, donc la salle 9. Ah bah si, elle est ouverte. Ah bah donc je peux y aller, hein, de toute façon, donc salle 8, j'ai rien fait de particulier, donc voilà, hop, ça c'est bon. Alors, the descent, look like this room has not been used in a while. Bon, bon. Je vais regarder s'il n'y a pas un truc de planqué au niveau du tableau, non, là non plus. Petit souci, bon bah excusez-moi, mais je vais être obligé de cheater un peu, parce que comment vous expliquer, la map n'est pas à jour pour la version 1.5, donc on va lui rajouter des petites échelles. Voilà, je le fais devant vous, je rajoute que ça. Voilà, je pose les échelles, voilà, et le reste je les jette. Voilà, c'est bon, ça ira pas. Vous direz pas qu'il y a complètement de triche, donc là j'ai pas trop le choix, parce que sinon je suis bloqué pour la suite de l'épisode, ça serait quand même dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... the lightstone for such small room. Non. Ouh, il y a du sable là. Je vais essayer de casser. Bon, bah, il y a des pados, c'est tout. Je sais pas s'il parle de casser la lightstone, mais... ah. Comme par hasard, j'ai encore des trucs à casser. Bon, bah, j'ai déjà bousillé le sable là. Je vais me dépêcher, parce que je vais être obligé encore de couper l'épisode maintenant. Ça, c'est un peu dommage, mais... si si je casse là, il y a quelque chose qui se casse la gueule, non? Si j'avais une pelle... Ah, attendez. Ah, bah, je peux pas m'en faire une, j'ai pas... Un... Ah, bah, je peux me faire un établi. Hein. Grâce au bateau, j'ai du bois, donc on va s'en occuper, hein, de toute façon. Pourquoi pas se rendre la tâche plus facile? Pardon. Je tousse un peu. Et voilà. Je me fais une pelle. Donc, comment dire, un aventurier doit savoir tout faire. Donc maintenant, vous savez que je sais faire une pelle. Donc, on continue. Voilà, voilà. Hop. On prend la pelle et on s'occupe de tout ce sable-là. Oula. J'ai eu un bug avec ma pelle. Essayer de monter à les propres échelles, mais va falloir encore que je triche. On va rouler le machin, elle est là. Faut que je rajoute encore une échelle. Hein. On va dire, malheureusement, j'ai pas pensé à bien faire le système. À prendre une map à jour, on va dire, voilà. Et comme tout le monde sait, maintenant les échelles par deux ne marchent pas. Donc voilà, je monte par là. Ah, j'ai oublié de jeter les échelles. On va les garder quand même au cas où, parce que même si je m'en sers pas. Ah, là, il y a une salle. Et là, je n'ai rien. Je suis monté pour juste voir qu'il y avait une échelle, quoi, c'est tout. Voilà, ah, un levier. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais... Il est là, on tend l'actionner, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense pas qu'il soit là pour rien, donc on va continuer. Oui, voilà, hop. Je descends, bah. Malheureusement, je vais encore vous couper l'épisode en milieu d'une salle, mais je vais faire en sorte de... Comment dire, de vous reprendre le plus vite possible. Voilà. J'ai encore un genre d'escalier là, avec plein de torches qui traînent un peu à droite à gauche. Voilà, je prends vite fait les torches. Hop. Et je coupe la base virale VPS a été mise à jour. Donc voilà, sinon j'espère que vous n'entendrez pas la mise à jour de l'antivirus. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao.